Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment faire une culotte, slip, bikini, le bas d'un maillot de bain. Donc nous avons la partie à l'avant, derrière la partie à l'arrière bien sûr, les petites ficelles sur le côté. Dans le tuto, je vous explique au fur et à mesure comment faire plus petit, plus large. Vraiment à vous de l'adapter à ce que vous... à vous, à qui vous allez l'offrir ou directement pour vous. Là, je n'ai pas mis la petite doublure qu'on doit mettre à l'intérieur. C'est ce que je vous conseille à la fin de la vidéo d'ailleurs. Ne pas oublier que ça va quand même être en contact avec une partie fragile. Et comme les maillots de bain qu'on achète en grande surface, ils ont toute une petite doublure à l'intérieur. Donc, je vous conseille également de faire pareil. Quand vous l'avez terminé, bon, ici, je ne l'ai pas fait parce que Happy n'est pas très exigeante. Donc, ça va lui convient très bien. Mais je vous conseille, c'est vraiment de faire la petite doublure, de la coudre à l'intérieur et ensuite seulement de porter votre super maillot de bain. Alors pour réaliser notre culotte du bikini, je suis restée avec la même couleur pour faire pareil. Donc le fil coton 3 de fil d'art couleur menthe. Sauf qu'au lieu de la crocheter avec le 3 comme j'ai fait pour le haut, je vais la crocheter avec le numéro 2 puisque là on va travailler en bride. Et j'aimerais bien c'est que la culotte, donc le bikini, soit bien serré, soit pas quelque chose qui soit trop large. Donc, je vais la travailler avec le numéro 2. Pour démarrer la confection de notre culotte, je peux pas faire un dessin, je vais pas vous montrer ce rapi non plus. On va commencer par l'entrejambe. Donc, vraiment ce qui se trouve, le centre de notre slip. On va commencer par l'entrejambe, le centre de notre slip. On va monter, on va commencer par la partie de l'avant. Ensuite, on reviendra, on fera la partie de l'arrière. Là, on va déjà démarrer en faisant notre nœud de base. Vous positionnez bien votre fil dans ce sens-là. Vous faites le tour de votre doigt, vous sortez votre boucle. Vous passez votre fil sous la boucle et avec l'aiguille de crochet, vous allez la chercher. On tire, on a fait notre nœud. Maintenant, on va faire 13 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Là, on va faire 3 mailles en l'air de plus. Donc, 1, 2, 3. Un jeté, vous passez la première, la deuxième, la troisième. Vous passez les 3 premières mailles. 1, 2, 3. Vous allez dans la quatrième, le fil qui se trouve sur le haut. Et on va faire une bride. Un jeté, dans la maille suivante, le fil sur le haut, une nouvelle bride. Un jeté, maille suivante, le fil sur le haut, une nouvelle bride. Le premier tour, vous allez le faire tout en bride, jusqu'à la fin des mailles chaînettes. Une bride dans chaque maille chaînette de départ. Logiquement, on devrait avoir 14 brides. Alors, 2... 4, 6, 8, 10, 12, 14 brides. Donc ici, vous voyez bien que c'est la partie du centre de notre slip. Si c'est pour un cadeau ou autre, avec un simple slip de la même taille, vous pouvez déjà voir si c'est le bon format. Alors ensuite, pour le deuxième tour, on va simplement tourner notre travail. On va entrer ici, dans la première bride, ramener notre fil, faire une maille serrée qui va compter comme notre première maille en l'air. Une, deux de plus, ça nous fait notre première bride. On va faire un jeté. On va revenir dans le même espace où on vient de faire les 3 mailles en l'air. Et on va faire une deuxième bride à l'intérieur. Notre première augmentation. Ensuite, on va simplement avancer
une bride dans chaque bride jusqu'à la dernière. Donc, bride dans la bride jusqu'à la dernière bride. Quand on arrive à la dernière bride, dans la dernière bride, on va faire deux brides dans la même. Une, on revient dans le même espace, on fait une deuxième. On a fait... Alors, quand vous êtes arrivé à la fin, dans la dernière bride qui se trouve juste là, donc on a fait une augmentation au début, bride sur bride par la suite. Et dans la dernière bride que l'on trouve, donc à la fin, ce qui est logique, on va faire deux brides dans la même. Donc une, vous revenez dans le même espace et vous refaites une deuxième bride. On va faire les augmentations en début et en fin de rang. Donc on avait 14 au départ, on doit en avoir 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Maintenant, vous tournez votre travail. Vous entrez dans la première bride qui se trouve juste là. Vous ramenez votre fil. Vous faites une première maille serrée qui compte comme la première maille en l'air. Deux mailles en l'air de plus, ça nous fait notre première bride. Donc, on a une bride. On va dans la maille suivante. On fait une bride. Dans la suivante, une bride. Pour ce tour, on va simplement faire une bride dans chaque bride, tout simplement. Vous verrez que le principe est très simple, puisque un tour, un rang, on va faire des augmentations au début et à la fin, et le tour d'après, on ne fera pas d'augmentation, on fera simplement une bride dans chaque bride. Donc là, on continue bride sur bride jusqu'à la dernière. Donc là, au troisième tour, on a également 16 brides. On tourne notre travail, on rentre toujours dans la première bride, on ramène, on fait nos trois mailles en l'air. Le tour précédent, on a fait simplement bride sur bride. Maintenant, donc, on va faire un tour avec des augmentations. Donc, un jeté dans la même maille, on a fait les trois mailles en l'air, on fait une première augmentation. Maintenant que vous avez compris, vous allez simplement avancer en bride sur bride jusqu'à la dernière bride. Et dans la dernière bride, on va également mettre deux. On fera toujours les augmentations un tour sur deux. On les fera toujours dans la première bride et dans la dernière bride. Donc, on a fait bride sur bride jusqu'à la dernière bride, on en a mis deux. Donc, augmentation au début et à la fin. Logiquement, vous avez 18 brides à ce moment-là. Donc là, à nouveau, vous tournez votre travail, vous entrez bien dans la première, vous ramenez, vous faites vos trois mailles en l'air qui vont compter comme une première bride.
Le tour d'avant, on avait fait une augmentation. Donc ce tour-ci, on n'en fera pas. On va simplement faire une bride dans chaque bride jusqu'à la fin. Tout simplement, bride sur bride jusqu'à la dernière. Donc là, j'ai terminé en bride sur bride, tout simplement. On tourne notre travail. On rentre à nouveau dans notre première bride et on fait nos trois mailles en l'air. Donc à ce tour-ci, on va faire une augmentation en début et à la fin. Donc là, vous avancez simplement bride sur bride jusqu'à la dernière. Et dans la dernière bride, vous mettez deux brides ensemble. Donc là, je suis arrivée à la fin. J'ai fait mon augmentation dans la dernière. Donc maintenant, vous avez compris que le principe est exactement le même. Vous allez un tour, vous allez faire un rang sans augmentation, celui d'après, un rang avec augmentation au début et augmentation à la fin. Et vous allez faire ça sur le nombre de tours nécessaires, en sachant qu'ici, c'est la partie du centre, donc du milieu de la culotte, du slip, le nombre de tours que vous désirez pour votre bikini. Il faut à vous de voir si vous le voulez très, très haut. Donc, vous comptez, je ne sais pas combien de tours il vous faudra. Vous pouvez vraiment l'adapter. Moi, je vais voir au fur et à mesure avec ma gentille assistante tapis. Je vais voir sur elle au fur et à mesure le nombre de tours que j'aurai besoin pour lui faire un joli bikini qui arrive un peu plus bas que le nombril. Enfin, beaucoup plus bas que le nombril, bien sûr. À partir de là, c'est vraiment vous qui décidez. Vous faites un tour. C'est tout simple. Une fois comme là, donc on vient de finir, je vous montre une dernière fois. On a fini un rang avec augmentation. Vous tournez votre travail. Vous entrez dans la première bride de départ. Vous faites une, deux, trois mailles en l'air. Vu que le tour d'avant, on a fait des augmentations, ce tour-ci, on fera simplement une bride dans chaque bride. Tout simplement. Donc, un tour, vous faites bride sur bride. Et vous avez compris que le tour suivant, vous allez faire un rang avec augmentation. Une augmentation dans la première et une augmentation dans la dernière. Et vous allez donc faire ce même procédé sur le nombre de tours nécessaires pour que l'avant de votre bikini corresponde à vos désirs, tout simplement. C'est vraiment vous qui adaptez votre bikini à ce que vous désirez vous avoir. Donc là, je vous laisse faire le nombre de tours en tout que vous désirez. Ensuite, dès que vous aurez donc fait le nombre de tours désirés, vous allez finir avec une maille coulée, couper votre fil, et on va se retrouver pour faire la partie arrière. Alors, quand vous avez fait le nombre de tours nécessaires, donc là, moi, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. J'ai fait 21 rangs. Vous allez donc simplement, quand vous avez terminé votre dernière bride, faire une maille en l'air de plus, couper votre fil et tirer. Tout ça ensuite, on va le cacher. Maintenant, on va travailler sur la partie à l'arrière. Donc, on va prendre le même fil ou une autre couleur, ça peut être original aussi, de faire en différentes couleurs. On va positionner, alors ici, on va entrer dans une des brides, là, ramener notre fil. Moi, comme à mon habitude, je vais faire un petit nœud et ensuite je vais coincer le fil en même temps, voilà. On s'introduit dans la même maille où on a fait, où on vient de s'accrocher. Donc là, on va travailler l'arrière. On ramène le fil
à l'avant. On fait trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Là, on va simplement faire, enlever tout ça, une bride. On avait fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on avait commencé à faire nos brides, on avait fait utiliser qu'un seul nœud. Donc ensuite, on va positionner notre travail de cette façon-là, avec le fil de départ. C'est juste pour vous donner un repère. Ce sera plus facile pour voir ici les mailles où on va s'accrocher. Vous allez aller dans la première de départ, ramenez votre fil. Il ne veut pas venir, mais il va venir. Voilà. Faire un petit nœud, laisser un bon bout de fil, comme ça ensuite on pourra le cacher. Voilà. Ensuite, on va simplement retourner dans l'espace où on a fait notre, on vient de s'accrocher, on ramène notre fil. On fait une, deux, trois mailles en l'air qui comptent comme une première bride. On avait laissé le fil, on avait travaillé au départ que sur un fil, on avait laissé le deuxième. Donc là, vous allez dans celui qu'on a laissé et vous faites des brides. Une bride dans chaque bride, en prenant le fil qu'on avait laissé exprès pour travailler ensuite. Donc là, on le voit bien ici. Vous allez donc faire ça jusqu'à la fin. Une bride dans chaque fil qu'on a laissé. Ici, on avait commencé avec 14 brides. À la fin, on doit avoir 14 brides. Voilà, donc quand vous avez fait simplement une bride dans chaque petit fil qui nous restait de l'autre côté, on va tourner notre travail comme on l'a fait jusqu'à présent. On va entrer dans la première bride, ramener notre fil et faire une, deux, trois mailles en l'air. On revient dans le même espace, on fait une augmentation. Dans la maille suivante, simplement bride sur bride. Là, on va simplement faire bride sur bride jusqu'à la dernière maille. Et dans la dernière maille à nouveau, on va faire une augmentation. Donc deux brides dans la même maille. Voilà, donc on a fait une augmentation au départ, une augmentation à la fin. On va tourner notre travail. On va entrer dans la première bride comme on l'a fait jusqu'à présent, faire une, deux, trois mailles en l'air comptent comme une première bride, revenir dans le même espace et faire une augmentation. Là, on continue bride sur bride jusqu'à la dernière bride. Et dans la dernière bride à nouveau, on va faire une augmentation à nouveau. Donc là, à nouveau, je vous montre, on a fait une augmentation au départ, une augmentation à la fin. Alors, pour la partie à l'arrière, vous allez faire exactement le même procédé qu'on vient de faire sur ces deux tours. Simplement, vous allez à chaque début, dans chaque première bride, vous en faites deux, et dans chaque dernière bride du même rang, vous en faites deux. Une augmentation à chaque tour, pour que l'arrière soit quand même plus couvert que l'avant. Par contre, au fur et à mesure que vous le faites, comme je vous disais, vous pouvez vraiment l'adapter. Il y en a qui aiment bien des vrais bikinis, donc ceux qui sont aussi petits devant que derrière. Donc ça, c'est à vous de voir. Quand vous voyez qu'il y a peut-être trop d'augmentation pour vous, que ça couvre trop l'arrière, vous arrêtez simplement les augmentations et vous faites simplement en bride. Vous terminez en bride. Si vous désirez que maintenant la partie arrière est la même donc largeur que la partie avant, ben vous faites simplement que recopier l'autre côté, la même chose que ce qu'on a fait de l'autre côté. C'est vraiment vous qui décidez. Si vous estimez d'un coup que, je ne sais pas, que derrière là, il n'y a pas assez d'augmentation, ça ne couvre pas assez l'arrière comme vous auriez aimé, au lieu de faire que deux augmentations
une au début, une en fin, vous pouvez en rajouter des augmentations. Ça veut dire qu'au lieu de faire que deux augmentations par tour, on peut en faire quatre par tour pour faire un peu plus large. Et dès que vous avez trouvé la bonne largeur, vous continuez simplement en bride sur bride pour quand même que ça ne fasse pas trop large non plus, quoi. C'est vraiment à vous maintenant d'adapter également. Moi, pour Happy, je vais continuer en faisant ce procédé-là, en mettant une augmentation au début, une augmentation à la fin. Et vous allez donc faire ce procédé-là, ou celui que vous estimez peut-être le mieux pour vous en fonction de ce que vous désirez obtenir à la fin, sur 3 ou 4 tours de plus que la partie de l'avant. Si à l'avant, vous avez fait 20 rangs, à l'arrière, vous allez faire 22 ou 23 rangs. 2 ou 3 rangs de plus. Même là, c'est à vous de voir. En fonction, on n'est pas toutes pareilles. Donc, quand vous l'essayez, si vous ne trouvez pas, ça ne vous plaît pas, vous pouvez continuer à augmenter. C'est vraiment adaptable. Vraiment, on peut vraiment faire ce qu'on en veut. Alors, moi, je vais continuer ce principe. Là, je vais rajouter, je vais faire 3 ou 4 tours de plus que pour l'avant. Et on se retrouve après. Quand vous avez fait le nombre de tours nécessaires pour faire la partie arrière, quand vous êtes arrivé donc à la fin de votre rang, vous allez simplement faire une maille en l'air de plus, couper votre fil, moi c'est fait, vous tirez dessus, et il ne reste plus qu'à cacher ce fil du côté de l'intérieur du maillot de bain. Alors après avoir caché tous vos fils, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est à mettre nos petits cordons sur les côtés pour pouvoir le fermer. Alors j'ai déjà fait sur 3 côtés, je vais vous montrer sur le quatrième. La chose que je vais changer, c'est que là, j'ai fait simplement un nombre de mailles chaînettes. Je ne suis pas revenue dessus comme pour le haut du maillot de bain. Je ne suis pas revenue avec une maille serrée dans chaque. Je trouvais ça super joli parce que j'ai pris le blanc pour faire comme le haut du maillot de bain. Au lieu de faire avec le crochet numéro 2 qui fait plus petit et plus serré, j'ai fait avec le crochet numéro 3. Donc vous allez vous mettre dans un angle. On a 4 angles sur notre maillot de bain, 2 devant, 2 derrière. Vous allez chercher votre fil, le ramener et on va faire un nœud. Là, on retourne dans le même espace, on ramène, on fait une. Alors là, on peut coincer notre fil de départ d'une autre façon. Vous le passez entre votre crochet et votre fil, vous faites des mailles serrées. Vous le repassez de l'autre côté, vous faites des mailles serrées. Vous le passez en permanence d'un côté à l'autre. Comme ça, vous le coincez en même temps que vous faites vos mailles chaînettes. Ensuite, il n'y a plus qu'à le couper, ce sera plus simple. Comme ceci. Donc maintenant, c'est à vous de voir le nombre de mailles chaînettes que vous allez faire pour que cette partie-là de la ficelle avec l'autre, qu'on puisse fermer sur les côtés. Moi, comme pour le haut du maillot de bain, j'avais fait 100 mailles chaînettes pour chaque ficelle. Là, j'ai fait pareil. J'ai fait 100 mailles chaînettes ici, 100 mailles chaînettes de ce côté-là, 100 mailles chaînettes de ce côté-là. Et ici, c'est exactement la même chose. Donc là, je vous laisse vous faire le nombre de mailles chaînettes qui correspond à la mesure que vous désirez pour pouvoir ensuite fermer sur le côté. On se retrouve après. Quand vous avez fait le nombre de mailles chaînettes que vous désirez, vous allez simplement ensuite faire une maille chaînette de plus, couper votre fil, tirer dessus. Et là, vous tirez très fort pour que ça ferme bien le bout de la ficelle. Ensuite, moi, personnellement, je vais simplement, avec un crochet un peu plus petit, faire passer ce fil à l'intérieur, le faire passer sur 2-3 fois sur mes mailles chaînettes pour qu'il reste bien coincé. Donc, je le fais rentrer dans une maille. Ensuite, je fais pareil dans la maille d'après. C'est juste pour mieux le coincer, même s'il ne bougera plus logiquement. Voilà. Je vais faire encore une dernière fois, mais vous pouvez le faire sur plus de mailles. Hein. Ensuite, vous n'avez plus qu'à couper votre fil, aller sur celui du départ, ici qu'on avait coincé en montant. On n'a plus qu'à le couper également, parce que lui, il est déjà coincé. Voilà, comme ceci. Et là, on se retrouve avec, hein, je vais essayer de le mettre à plat, comme cela, avec un super joli bikini. Ou maillot de bain, je ne sais pas trop comment on peut, bikini, maillot de bain, voilà, qui sera adapté à vos désirs et à vos envies. N'oubliez pas une petite chose également, c'est que tous les maillots de bain qu'on achète en grande surface, qui est assez normal, ont tous une doublure.
Donc, malgré tout, ça reste du coton. La couleur, ça reste quand même des produits chimiques. Ça va être en contact avec une partie assez fragile. Donc, je vous conseille, avant de l'utiliser, c'est d'aller dans un magasin genre Mondial Tissu. Moi, c'est là où je vais le plus souvent. Et de simplement lui mettre ça, acheter un tissu qui sera adapté. Donc, il faut voir avec les vendeuses qui sont de très bons conseils d'habitude. Et de simplement mettre la petite doublure comme on a sur tous les maillots de bain que l'on achète en grande surface. Voilà. Alors, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.